Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve directement dans la suite de notre aventure avec l'épisode 18. Évidemment sur Days Gone, prenez un casque ou des écouteurs, c'est toujours mieux, plongez-vous dans le noir. Vous connaissez le blabla classique de chaque épisode de Let's Play. On se retrouve une bonne demi-heure ensemble, un petit truc à boire, à manger, faites-vous plaisir. Tout simplement, et on devait retrouver Iron Mac pour avoir des explosifs. Histoire de faire exploser 2-3 montagnes, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, mais à mon avis, cette mission risque d'être très dangereuse. On y va? Et on va où? Cette fois, tu devras me faire confiance. Très bien. Eh bien, écoutez, on va le suivre. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Alors, on va où, au juste? Tu sais ce qu'on cherchait dans les environs à l'époque? Ouais, du mercure ou un truc du genre. Exact. Du cinabre. On en tirait du mercure. Les gens à l'Est pensent qu'il y avait une mine d'or ou d'argent ici, mais ils ont tout faux. Au début du XXe siècle, le cinabre valait plus que de l'or. Pour exploiter une mine, il faut de la TNT. On s'en sert pour les extensions, creuser de nouvelles galeries, déblayer les grottes. Pour se procurer de la TNT, il fallait faire une demande auprès du comté et déposer toutes les clés des coffres de sécurité au commissaire. Attends, il est où le palais de justice du comté? Je pensais que tu savais. Il est dans l'ancien bâtiment fédéral. L'ancien bâtiment fédéral? Celui de Sherman's Camp? Putain, Mike, tu déconnes. Tu m'as dit que tu en mettrais plus jamais les pieds là-bas. Ah ouais? Je m'en souviens pas. T'étais bourré. C'était juste après la mort de Joe. Et je t'ai dit pourquoi? Non. Là! Tourne là! Là! Ben c'est bon, putain. On y est. Ah, mais je l'ai vidé cette ville! Incroyable! On est de retour! Mike, ça va grouiller de mutants. Je pense que c'est pas une bonne idée. Bah, si le temps se tient, ça devrait aller. Tu vois? Là-bas, c'est l'ancien bâtiment fédéral. C'est là qu'on va. Ok, donc déjà 3 sur le toit. Évitons de nous attirer des ennuis. N'entre pas dans les bâtiments. Bien. Ça, c'est fait. Il faut qu'on aille par là. Allez, allez, allez! Mike, où est-ce qu'on va? Suis-moi, la clé sera sur le commissaire. Et tu sais où il est? Enfin, son cadavre? Ouais. Je crois bien. Ils s'en bat les couilles, hein. Ici. Frérot, ouais, t'as des chaussons, mais pas moi. Est resté. Hein. Les hommes, les femmes, les enfants. Seule une poignée a réussi à s'enfuir. T'en faisais partie, pas vrai? 2 personnes seulement. Nora et moi. Mais c'est pas les mutants qui nous ont eus. Comment ça? Regarde. Mais... Il s'en bat les couilles de tout, hein, c'est terrible. Hein. Là, on va prendre notre part, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Les deux camps avaient organisé un sommet. Une trêve. Juste ici. Oh, on savait ce qui nous attendait. On le savait tellement bien qu'on s'était préparé. Le clash a pas duré longtemps. C'était un carnage. Il leur restait des munitions, en fin de compte, et ils ont... Putain, tu vois ce qu'ils ont fait. Comme je te le disais... Quand tout a été fini, il restait plus que 2 personnes debout. Il y a des jours... Je regrette d'avoir été l'un des deux. Ok.
Le commissaire est là, en tenue de comptable. Va récupérer la clé qu'on fiche le camp d'ici. Ah ! Très bien. Bon bah écoutez, bon, on va récupérer cette clé, évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? T'en avais rien à foutre de sceller les grottes. Tout ce que tu voulais, tu m'as fait venir ici uniquement pour me montrer tout ça. Tu te trompes. T'as récupéré la clé, non ? On va trouver les plans de la mine, comme on a dit, et on va se dégoter suffisamment d'explosifs pour sceller toutes les grottes de la vallée. Mon cul. Mais t'as raison sur un point. Je suis pas mécontent que t'aies vu tout ça. Je te suis pas, Mike. Je te parle de la guerre qui se prépare avec les Reapers, celle que Schizo a si hâte de voir éclater. Tu crois qu'ils se soucient de qui mourra dans un camp comme dans l'autre ? Laisse tomber. Bien, finissons-en. Ok. Bien plus qu'étrange tout ça. Voilà la porte. Il y a des situations où Deacon est incroyablement intelligent, et il y en a d'autres comme avec O'Brien où on est vraiment pris pour des cons. Va falloir trouver un juste équilibre. Bien. Faut qu'on trouve comment monter. Et ça sent la charogne à l'intérieur. Des têtards. Ouais, je les sens. Ça me dit rien qui vaille. Ah. J'ai jamais aimé les gosses. Ils me tapaient sur le système. Ah putain, c'était mais c'est des enfants les têtards alors. Mettez-moi. Paix à son âme. T'aimais pas les gosses ? C'est moi qui croyais que t'aimais tout le monde. C'était des putains de gosses en vrai. Très bien. Bon. Nous y voilà enfin. On a les cartes de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez, viens, on bouge. T'as entendu ? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à de la visite ? Non. Je peux compter sur toi ? Eh, j'aime pas commencer les bagarres, mais... je sais les finir quand il faut. Très bien, ça sent pas bon. Reste derrière moi. Hé, hey, je suis pas grabataire. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que... tu te souviens la dernière fois où t'es sorti ? Ouais, donc je disais, je te laisse passer devant. Des coups de feu ! Qu'est-ce que... Elle sait pas d'où ça vient... Cette horreur, ça tire mes grosses couilles. Hop, on va retirer le silencieux. Okay. Il va s'échapper, tue. Mais il a des balles. C'est terrible à viser avec ça, hein. Vous avez eu le recul de porc. Ouais, c'est méga chaud. On va tenter de finir la mission avec ça, mais putain. Attendez, hein. Hop, 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 hop. Et vous battez pas. C'est quoi ça ? Ok, voilà ce qu'on va faire. On va l'utiliser pour la toute première fois. Non pas un cocktail de santé. Oh non. Oh, je l'ai pu. Ah merde. J'ai pu, très bien. Plante-toi. Quoi? Quoi? Je prends ma race, hein. Ok. Ok. Regardez ce qu'on va faire. Ah! 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 Mike! Aïe! Aïe! Mike! Oh non, Mike est mort. Mais what? C'est quoi ce délire? J'étais tellement pas prêt! C'est incroyable! J'ai pas tout saisi là, je vous avoue. Hop, ça en prend. Où est-ce que tu vas? Attends. Pardon, j'arrive. J'arrive. Attendez. Plante-toi. Ok. Des mutants. Bon sang, ils ont rameuté toute la ville. Très bien. Ouais, je pense qu'il faut rester juste planqué.
Ok. Ok. C'est horrible, hein. Je suis désolé de ma visée. Ok, faut y aller, hein. Je suis. Tu me suis? Non, tu me suis, on suit. Qui se suit? Ok, je comprends rien. Je vais tout droit. C'est ça, les gars. Je me l'ai. Ok. Wouah! Ah, il y a un sniper. Fais gaffe, fais gaffe. Fais pas le con. Allez, Bacon, viens. Je les vois. Je me suis planté. J'arrive. Non. Mais c'est pas vrai, hein. C'est incroyable, hein, quand même. Hein. Putain, de visée de mort, vraiment. Hein. Ok, c'est bon. C'est juste les snipers. Je suis désolé d'être aussi concentré. Mais je joue énormément sur PC, n'est-ce pas, hein, comme vous pouvez le voir tous les soirs en live. Et c'est vrai que la manette, j'ai plus trop l'habitude. Ça devient assez complicado. Putain, c'est quel bien. Bordel! Adi sera furax si elle apprend que tu risques ta peau, là, dehors. Ah ouais? Mais comment elle pourrait l'apprendre? Pas de moi. Attends. Attends, j'arrive, hein. J'arrive, j'ouvre... Ah, j'ouvre juste ça. Voilà, la ferraille, c'est important. Clairement, je prends. Comment ça se fait rare, ces conneries? J'arrive, moi, Iron Mike. Personne n'a touché mon moto, c'est beau ça le respect. Allez, on se casse. Bon, on s'en est plutôt bien tiré. On a recommencé tout de même une fois, mais quand même. En vrai, plutôt plutôt cool. Vache, il bombarde, il s'en bat les couilles. Quand il pleut comme ça, frérot, tu fais pas le malin en vrai. Hein. Mais on a vraiment rien à faire. Bon, à propos des Reapers, pourquoi t'as tenu à montrer ça? C'est Dick. Je me voyais un peu en toi à l'époque. T'étais au camp. C'est-à-dire? T'en as plus rien à foutre. Oh, tu tiens ton pote. T'as pas envie qu'il meure. Mais moi, n'importe quelle autre personne, on peut crever. Les sentiments tuent plus vite qu'un mutant. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pas en avoir, ça tue aussi facilement. Ce que les gens de Sherman's Camp ont fait, c'est se focaliser sur eux et leurs proches. C'est facile de tuer quelqu'un quand c'est juste un tas de viande entre toi et ce que tu veux. Schizo veut éliminer les Reapers parce qu'il les voit plus comme des êtres humains. Ils comptent plus. Ils sont qu'un obstacle de plus à ses yeux. Mais moi, je vois les choses d'un autre œil. Pas de ça, chez moi. Eh, ils ont intérêt à me donner beaucoup de confiance quand même. Hein. Là, faut pas abuser. Je veux passer niveau 3. Putain, y a tellement de trucs à acheter. Ce serait incroyable. Tu sais, Schizo, il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça, et il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas, Mike, tu vas tous nous faire tuer. Un jour, on sera débarrassé des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire.
J'aime pas plus que toi Carlos et ses Reapers. Même chose pour Tucker ou Copland et tous ses compatriotes de merde, ok? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick? J'ai pas l'intention de perdre mon temps à essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tuerie. Même si Carlos vient pour te tuer? Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude. J'ai quand même l'air un peu ridicule avec mes boîtes de conserve au bout de chaque arme. Mais bon, c'est le boulot, les gars. Je peux compter sur toi, c'est fait. Oh là là, ça monte. Ça monte trop peu, ça pas du tout. Ça pas du tout. Déchirure la main à la patte. Devoir faire des choses. Plan de fabrication débloqué. Je peux donc créer des attracteurs. C'est bon, ça. En gros, du C4, on va pas se mentir. Où est ma moto? Ah, elle est juste ici. Aucun souci. Allez! Non, Mike, je parierai pas là-dessus. Ta trêve tiendra plus très longtemps. Ouais, pour une fois, je suis de la vie de Schizo. Les Reapers sont plus des humains. Ça, c'est clair. Ok. Par où on se casse, là? J'aimerais aller à la mission qui est juste ici. Ouais, sélectionner la mission. Je me souviens, très bien, l'anniversaire d'Hérod. Deacon traque une équipe de recherche du Nero. Très bien. Commence à devenir trop problématique tout ça. Allez, on est parti, nouvelle mission. On va encore traquer le Nero. Faut que Brian, au bout d'un moment, il arrête de se foutre de ma gueule. Par contre, j'en fais beaucoup trop pour lui, je trouve. J'ai l'air d'être un sacré pigeon, apparemment. En plus, il pleut et c'est pas bon. Ça, ça sent peut-être la Horde. Elle est où la sortie? Elle est par là, vraiment? Merde. C'est rien, ça arrive. Ok. Ah, voilà. Bon, écoutez, on s'en sort plutôt... Hop. Très très bien jusqu'ici pour être honnête avec vous. On a recommencé une seule fois, mais hé, ça arrive, c'est pas bien là. Je me demande comment va Boozer. Oh, oh. Peut-être que. Je sais plus ce que je fais. Slower. Je vais mourir. J'espère qu'il est réveillé. Oh, c'est bon les gars. J'ai l'habitude du hors-piste. Très bien. Besoin d'un coup de main. Mission débloquée. Mais avant cela, on va aller sur les pistes du Nero. On va voir un petit peu là où ça mène. Icon Saint John, ici Lost Lake, répond. Ouais, Mike, dès qu'elle arrive. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley, mais quand je suis allé le voir pour l'interroger, il était pas là. Ouais. Ah, sujet, Mike. J'ai essayé de le ramener. Vraiment. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé jouer, Mike. J'ai pas pu faire. Je me souviens de ce que j'ai dit sur notre façon de procéder par ici. Ouais, ouais, Mike. Ah! Ça veut dire qu'on va se retaper toute la conversation. Ça, c'est fort embêtant. Allez, on est parti. Encore un hélico du Nero, normalement. Et on va peut-être en savoir un petit peu plus sur la propagation du virus, évidemment. O'Brien, je suis à l'une des balises. C'est la proximité du camp Rogue. Drifter, Saint John, je veux dire. Bien reçu. Pourquoi je suis là? Je vois... un hélico approche de votre position, soyez prêts. Terminé. Je suis là pour ça. Très bien. On va avoir d'autres infos. Ils doivent être sur votre position, vous les voyez? Ouais, ouais, difficile de les rater. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Rapprochez-vous du chercheur. N'oubliez pas, vous devez rester dans les environs où je ne pourrai pas intercepter les données. Sécurisez-moi ouais, okay, le périmètre. J'ai compris. Allez. Et cette fois, il faudrait que vous placiez un traceur sur leur hélico. Leur hélicoptère. Merci, je sais ce que c'est qu'un hélico. J'espère que vous avez mieux que ça. Okay. J'ai quelqu'un de confiance qui travaille dessus. On en saura plus rapidement. Parfait. Nous pourrons charger les données dès que... Bon. Je dois poser un traceur sur cet hélico. C'est bon. Allez, les gars. Ça devrait pas poser trop de soucis. Voilà. Brian, le traceur est en position. Vous devriez recevoir la télémétrie. Voilà. Nous avons terminé l'inspection sur une cible de vérification. Ça va? Oui, ceux de Marion Forks, du cimetière de pionniers, de la Syrie sur l'autoroute des Cascades, du relais où
routier sur l'ancienne route de Belleneuve. Comment il s'appelle déjà? Ah, c'est Crazy Willy. Ouais, un truc champêtre, très touristique. Un des aspects de l'ancien monde qui ne manque pas. J'ai Crazy Willy, au sud du cratère Belleneuve. Une question, Doc. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais occupée. Pourquoi ils construisent des nids? On l'ignore. Ils construisent seulement dans des immeubles, des structures, des cabanes, tout ça. Il y a une théorie... Je veux dire, on n'en voit jamais là où créchaient les animaux sauvages. Dans les arbres, dans la nature. Seulement dans les bâtiments. Vous avez fini? Désolé. Je l'ai pas vu. Je remarque des trucs aussi, vous savez. J'ai pas toujours été trop fiant. Je peux continuer? Allez-y. Au sud du cratère Belleneuve, certaines zones forestières de Belleneuve n'ont pas été inspectées. Les sites de nidification se trouvant à proximité des campements humains, notamment d'un vaste camp situé à... Salomé Hot Springs. Oui. Salomé. Ah bon, on se plante comme on peut. Sauce les gars. Direction la moto. Et en plus j'ai pris un petit bidon d'essence. Et évidemment c'est la taxe, hein, taxe de prime de déplacement. Bon, il va pas se foutre de ma gueule encore le Brian. Ok, anniversaire c'est fait, je me souviens. C'est fait. Brian, allez voir Boozer. Très bien. Deacon St. John, ici Los Lake, répond. Ouais Mike, Dick à l'appareil. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley, mais quand je suis allé le voir... Oh putain projet, allez, on mange de la conversation, les gars. Hey. On la connaît, ah, celle-là. Vrai, Mike. J'ai essayé de le ramener, vraiment. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé foi, Mike. Ça, c'est assez terrible que ça reprenne pas là où ça s'est été arrêté. C'est bien de ce que j'ai dit. C'est une façon de procéder par ici. Ouais, Mike. Terminé. Vous voyez, c'est là où, par exemple, Uncharted 4 était incroyable. Tout simplement parce que quand une conversation s'arrêtait et qu'on revenait dans le véhicule, Nathan Drake disait souvent, ou le protagoniste disait, « Oui, excuse-moi, tu disais, et ça reprenait exactement où ça s'est arrêté. » C'était vraiment bien fait à ce niveau-là. Et là, par contre, bon, ça reprend. C'est du copier-coller, les gars, la phrase. Brian, oh, chier. Il faut en avoir la claque d'être votre larbin, Brian. C'est bien, Deacon. Il était temps de réagir, Deacon. Ok. Bon, on va voir notre ami Boozer. Il y a peut-être quelque chose de cool à nous montrer ou pas. Le capitaine Coury. Contacte le capitaine Coury. Appelle-le, putain. L'avant-poste est attaqué. Le caporal. Il faut qu'on y aille. Caporal. Il en vient d'autres. Caporal. On était dans une cette connerie, là. La milice. C'est quoi ce bordel? Ok, il est temps d'aller voir Boozer. Il se passe beaucoup trop de choses d'un coup, si vous voulez mon avis. Boozer, qu'est-ce qui se passe? T'as gardé ton bras, c'est ça? Tu veux me le montrer? Comment tu te sens, champion? Dick, je sais pas pour toi, mais... j'ai besoin d'un coup de main. Toi, reste allongé. Oui, chef. C'est trop tôt pour qu'il ait de la visite, mais j'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hey, Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini? Très drôle, William. Allonge-toi. Hey, je pourrais peut-être faire des gammes. Non, je suis sérieux, je ferais... Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée. Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs à régler.
Comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. Hé. J'en ai sauvé deux autres. Eddie et Mia seraient morts sans ces antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. Ça me fait une belle jambe, toutes ces conneries. Besoin d'un coup de main. Le camp Iron Mike monte encore. Frère d'armes, c'est mon frère, 94%. Arme débloquée. Ouh là là. Ouh là là. Il a l'air de reprendre du poil de la bête. Ok. Direction casier, direct. Direct. On va voir un petit peu. Je crois Salut. Que c'est une arme secondaire, je suis pas sûr. Comment ça va ? C'est dans le casier, hein. Nouveauté. Oh, oh, oh. Oh, insane. Par contre, pas de précision, pas de cadence de tir, puissance d'arrêt, mais 5 cartouches. On va l'essayer, hein. On va l'essayer. Hop, allez, on va voir ce que ça donne. Ouais, allez, vas-y, excellent on va acheter choix. Des recharges. Niveau pistolet, on est quasi au max. Okay. Bon ! Eh ben, c'est prochaine. Plutôt pas trop mal, tout ça. On est plutôt très très bien. J'ai quelques oreilles à vendre, est-ce que ça vaut le coup ? Allez, vas-y, ça vaut toujours le coup, comme on dit. Hello ? Ah non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Hop, j'ai totalement rien. C'est ridicule. Tout est ridicule ici. On prend la moto, on se casse du camp et ils vont nous donner une nouvelle mission. Et ça, par contre, c'est incroyable. Attendez, par où on part ? Par là. Ah, on a un point d'interrogation juste ici. What ? Il y a un point d'interrogation qui me suit ? Attends, je vais t'ouvrir. J'ai laissé s'ouvrir. Vous allez voir, hein. Dès qu'on a quitté le camp, normalement, on va nous appeler, on va avoir une nouvelle mission. Très bien qu'il se dépêche. On va éclater tous les putains de nids qu'on y voit. Dick, faut faire vite. Ricky, qu'est-ce qu'il y a ? Ce type qu'on cherchait, Eric Lynch, celui qui a tué Campbell et Reed, à la ferme. Lynchman. Tu sais où il est ? Oui, il est sur la côte nord, au vieil embarcadère. Schizo voulait partir à sa recherche, mais Iron Mike voulait que ce soit toi. Je le trouverai. Merci Dick, fais vite. Eh bien voici. Oh, c'est juste à l'autre bout, c'est bon ça, c'est juste à côté. On y va direction 400 mètres, on a notre mission. Je vais retirer ce point là, on ira un petit peu plus tard si ça ne me gêne pas. Très bien. Là je vais commencer à m'inquiéter, je me dis attends, j'ai pas de coup de fil. Deacon, t'es là ? Ouais. Il y a un nouveau boulot pour toi. Attends, doucement on a ça. Hein. Ouais Ricky. Oh, ok, je passerai. Terminé. Doucement, doucement, n'abusons pas des bonnes choses quand même, Ricky, ça serait dommage. Attends, c'est où la sortie ? C'est par ici. On va peut-être prendre de l'essence, non ? On a une station essence ici. Voilà, on a un bidon. Ce serait dommage. Attends. Non ? J'ai chié dans la colle ? Attendez. Attendez. Dick, t'es là ? Je suis sorti de l'infirmerie aujourd'hui, frangin. A dit qu'elle en avait ras-le-bol de m'entendre râler. Tu as dit tout craché, et ton bras ? Ouais, il m'en reste encore une bonne moitié. Désolé. Écoutez, plus sérieusement, j'ai toujours l'impression de sentir ma main droite, tu vois. Ouais, je crois qu'ils appellent ça la douleur fantôme. Ouais, Adi m'a dit pareil. Ça fait chier. Je me sens la douleur des articulations. J'ai du mal à les déplier après tout. Bon, bref, faut que je file. Schizo m'a affecté à la ferme. J'ai trouvé un moyen. Et c'est foutu calmement qu'a dit Phil. A plus tard. Très bien. Plus. Il nous le faut vivant, Dick. Vivant ? Mais tu te fous de ma gueule, pourquoi ? En se barrant, il a piqué deux sacs de graines. Dick, il faut qu'on les récupère. Eh merde. On doit trouver sa planque ou à qui il les a revendues. Ça m'arrange franchement pas, mais bon. C'est d'accord, ok, je vais le retrouver, terminé. Ça vibre. Quelle est cette sensation fort étrange ? Ça vibre totalement, c'était... Ah putain, c'était dedans. C'est okay. Ça. Ok. Ça va m'aider. Bah alors les gars ? Bah, c'est totalement en cours. Localiser Lynchman. Bah ouais, mais les gars, je viens. Il est pas... Non, il est pas par là. Lynchman. Ah, bah voilà. Ok,
Peut-être quelque Voyons chose qu'on a ici. On avance. Ok. Merde, le voilà. Allez. Attendez, course-poursuite. Voilà. Nous cacher. Tu me prends de l'enfant vivant. Tu m'entends, Sajan? Ah. Allez. Eh oui, putain, idiot, va. Ok. Ça tire à balles réelles. Toi, tu fais trop le malin, frérot. Hein. Je prends tellement ma part gratos. Ok. C'est terrible. Les touches sont terribles. J'ai plus de 12 balles, hein, ça va être dingue. Allez. Ok. C'est bon. Bonne chose de faite. Et ça, c'est dans la poche, mon pote. Alors, ça gaze, Lynchman. Dis, il s'occupait pas assez bien de toi au camp. Va crever. T'as cru que tu pouvais flinguer deux gus et tirer avec nos réserves? Hein, pas grave, hein, si les gens crèvent de faim, tant que toi t'as ce qu'il te faut, c'est ça? Lâche-moi, connard de mes deux! Écoute-moi bien. Ricky va envoyer des gars, ok? Si tu leur dis où t'as planqué les graines, peut-être qu'ils te mettront juste une balle, plutôt que de faire durer le plaisir. Qu'est-ce que t'en dis? Je vois pas de quoi tu parles! Ok, comme tu voudras. Semences de printemps, camp d'Iron Mike. Putain, ça monte tellement. Hey, Ricky, c'est déchopé. Faut t'envoyer sa position. Envoie quelqu'un. J'ai du boulot pour toi. Allez, on va directement faire une TP rapide et on va, hop, bougez pas. S'arrêtez là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 19 de notre aventure. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de tout le monde. C'est incroyable. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.